Non, je suis sûre qu'il va bien. Mais tu m'appelleras si tu le vois. C'est gentil de nous. Miles ? Je vous ai appelé. Ça fait des heures. Et rien. Vous savez que Miles est à la poursuite de lui. Je vais le trouver. J'appelle les hôpitaux. J'ai dit que je le trouverai ! Je contrôle la situation. Tout ce qui intéresse Miles, c'est d'être un meilleur Spider-Man. Il ne parle ni de ses cours, ni de ses camarades. Il ne parle que de vous. Vous devez l'aider. Comment j'ai atterri là ? Sécurité rigole pas ici. Ça a pas marché. Mais peut-être qu'avec les autres. Les deux. Ah. J'ai plus qu'à bloquer les autres. Voilà. Ça me fait un petit passage. Ils étaient tous prisonniers. Lee. Il était ici. Je peux franchir ça. Ce type qui m'a assommé. Et puis TMJ, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Cette petite araignée est un méchant. Le grand Spider-Man, peut-être. Le petit, là. Les petits sont souvent plus rapides. T'es pas curieux ? Si Kraven est curieux, moi aussi. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Kraven. Les plus petits sont plus rapides. Ok. Du matériel d'Oscorp. À quoi ça vous sert ? Pourquoi Kraven m'emprisonnerait là-dedans ? Comme qui ? J'ai besoin de toi, mon vieux. Les générateurs doivent alimenter les ventilos.
C'est mieux, mais pas suffisant. Il faut que j'active les autres. Et voilà. Un plus. Cette porte. Je crois bien que c'est la seule issue. Vous savez où se trouve la sortie ? Pourquoi ? Tu pourras jamais partir. C'est ce que je commence à penser. Ça sert à quoi tous ces pièges ? À t'évaluer, l'araignée. Il doit bien y avoir une sortie. J'ai l'impression qu'ils m'attendaient tous. Tant pis pour la porte. Je dois chercher ailleurs. Cet endroit est gigantesque. Et si les chasseurs savaient qui je suis vraiment ? Et s'il m'avait retiré mon masque ? Et si... Gonki, est-ce que tu me reçois ? S'il te plaît. Et si... Il s'en était pris à lui ? Et s'ils avaient eu ma main ? Raven réclame plus de drones rapaces à l'étage. C'est qu'il doit bien s'amuser. D'habitude, il joue pas aussi longtemps avec la nourriture. Ah, encore des chasseurs. Ils ont espionné Pete.
Est-ce qu'ils l'ont eu? Un enregistreur? Toutes les nuits, je rêve de mon dernier moment. Mon corps reposant sous le ciel de mes ancêtres, dans un champ fertilisé par leur débâcle. Tandis que les flammes consument ma dépouille, leurs larmes tombent des étoiles. Car j'ai réussi où ils ont échoué. Il n'y a qu'un égal qui pourrait goûter mon dernier souffle et me renvoyer enfin dans les profondeurs paisibles de l'enfer. Je pourrais défoncer la porte. Ça ferait du bruit. Il y a peut-être un autre moyen. Ça ressemble à une sortie. Je dois découvrir pourquoi Kraven m'a amené ici. Il faut que je me sorte de là et que j'appelle Spider-Man. S'il est d'accord. La lumière naturelle... D'accord. Qu'est-ce qui se passe là? Mais c'est... Ok. Ça ne marchera pas. J'ai essayé. Je t'attendais plus tôt. Et l'énergie de la jeunesse, alors, hein? Battez-vous. À mort. Ou mourrez ici ensemble. Alors combien de personnes est-ce que t'as tué avant que j'arrive? J'avais pas vraiment le choix. On a toujours le choix. J'en ai assez de perdre mon temps à combattre des minables.
Prouve que tu es digne de ma vie. Je comprends que t'aies envie de me tuer. Mais je ne peux pas te laisser faire. Et pourquoi est-ce que je vous laisserai vivre? Je ne mourrai pas comme l'homme que j'ai été. Tu es beaucoup plus fort que tu en as l'air. Mais ne sous-estime jamais ton adversaire. Vous avez des comptes à rendre après ce que vous avez fait. Les démons intérieurs, le souffle du diable, l'attentat de l'hôtel de ville. Ne me remémore pas des péchés. Je sais ce que j'ai fait. Vous imaginez même pas. Kraven vous a pris au piège. Vous vous êtes là de votre plein gré. Épargne-moi ta condescendance. On est dans la même arène. Décidément, même la prison vous a pas changé. Il éveille quelque chose en toi, l'araignée. Mais réciproquement, montre-moi plus. Bien joué. Ça suffit comme ça. Spider-Man ne tue pas! Attends un peu de me connaître. Oh non! La bioélectricité marche pas! Bioélectricité, pareil. Voilà. À présent, montre-nous la force. Bouge. Vous avez toujours aucun remords après ce que vous avez fait. Quoi que j'ai pu faire dans ta vie, ça n'avait rien de personnel. Eh ben pour moi, ça l'était. Qu'est-ce que tu veux? Des excuses? Je vais vous voir souffrir comme vous m'avez fait souffrir. Va me retourner la tête. Méfie-toi de ces attaques, Harry. Il risque de te dépouiller. Faut que je sois plus rapide. Je ne veux pas avoir à te tuer. Wow. Vous avez peut-être changé, finalement. Reste au sol.
dernière fois que vous ferez du mal à quelqu'un! Quelle platitude! Derrière l'autre araignée, il y a un homme, moi! Ça suffit! Vous savez rien de moi! Je me déconcentre. Je suis pas vraiment ici. Rien de tout ça n'est réel. Quoi de plus réel que la peur? Vous essayez de me faire quoi? Je fouille ton âme du regard. Je vois un garçon terrifié d'être seul et à l'idée de trahir sa famille. Vous gaspillez votre salive! Vous m'échapperez pas! Je me déconcentre. Je suis pas vraiment ici. Rien de tout ça n'est réel. Quoi de plus réel que la peur? Vous essayez de me faire quoi? Je fouille ton âme du regard. Je vois un garçon terrifié d'être seul et à l'idée de trahir sa famille. Vous gaspillez votre salive! Vous m'échapperez pas! Tout le monde a un point de rupture. Même Spider-Man. Il suffit tout simplement de le trouver. Et sache que j'ai tout le temps nécessaire pour creuser en toi. Laissez ma tête tranquille! Laissez ta tête. Mais il y a tellement de choses à voir là-dedans. Non, je vous écoute pas! Tu es fort. Il est où? Miles! Hit? T'es à la ramasse! Je veux dire, j'ai essayé! J'ai essayé de t'apprendre! De faire de toi un héros! Je savais très bien que tu serais les dernières secondes, mais... Tu sais rien faire à part décevoir les gens. Les mettre en danger. C'est indigne de Spider-Man. Spider-Man aide les gens. Toi, tu leur fais du mal. Non, c'est pas vrai. Hé, j'y suis pour rien, moi. En vrai, c'est même pas moi que tu déçois le plus. C'est ton père? Non! Alors, tu t'appelles Miles. Qui es-tu vraiment? Miles. Ramenez-vous, Lee! Creusons encore. Lee, venez vous battre! Une bonne fois pour toutes, venez vous battre! T'es taré ou quoi, Miles? Je ne suis pas naïf, Lee! Ouais, bah moi non plus. Je suis toujours là pour toi. Je me coupe en quatre pour toi. J'écoute toujours pas! Ouais, ça m'étonne pas que tu dises ça. Parce qu'il n'y a rien qui compte à part toi, hein? Tu penses qu'à toi. Tu me mets en danger. Tu mets Ailey en danger. Et tout ça pourquoi? On a quoi en échange, nous? Je sais. Des accessoires. C'est tout ce qu'on est. Mais on terminera comme Finn. Kanki! Je sais que j'ai dit que c'était pas ta faute, mais. En fait, j'avais de la peine pour toi, c'est tout. Je voulais pas que tu te sentes responsable. Surtout après la mort de... Non! Surtout après la mort de ton... La ferme! Ça prendra fin dès que tu le souviendras, Rex. Tu finiras par me laisser entrer. Mais en attendant, débats-toi.
Mijo. Mijo, où es-tu? Non! Je suis là, maman. Ça ne peut plus durer, Miles. Tu es toujours absent. Toujours en danger. Je sais. Tu vas finir par te faire tuer. Non, je te jure. À quoi bon? Tu ne peux pas gagner, Miles. J'aurais jamais dû te laisser essayer. Le seul résultat, c'est que je me retrouve encore plus seul. Je cours encore plus de danger. Non. Je vais te protéger. Compte sur moi. J'ai déjà entendu ça. Je te promets. Je parle pas de toi. Le jour où il est mort... Maman! Ton père m'a dit, le matin même, que tout ce qu'il faisait... Non! Non, non, non! Miles, je t'en prie, je t'aime. Ça suffit, Ellie! Miles... J'ai dit ça suffit! Tu as raison. C'est plus que suffisant. J'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Ça suffit, arrête. Papa. Alors, comment ça va, fiston? Ça me fait du bien de te revoir. Ça a changé depuis mon départ. Il est devenu un vrai héros. Mais j'ai pas pu te sauver. Ni Finn. Si Spider-Man ne peut pas protéger tout le monde, alors qu'il pourra? Arrête. Tu es beaucoup plus que Spider-Man. Tu peux essayer de te cacher derrière ce masque, mais je sais qui tu es. Et ce que tu défends. Je garde un œil sur toi. C'est vrai? Et ça me désole. Où est passé l'enfant que j'ai élevé? Tu es un lâche. La honte de notre famille. Non, tu ne penses pas! Je le pense. On le pense tous. Tu es un raté, Miles. Tu le seras toujours. Non! Vous diriez jamais ça! Aucun de vous! Je suis pas... Il est temps de laisser tomber. Abandonne, Miles. Non! Abandonne! Non, jamais. Abandonne! Abandonne. Abandonne. C'est terminé, Lee. J'ai plus envie de jouer à vos jeux. Vous voulez savoir qui je suis? Je suis le gosse dont vous avez tué le père à l'hôtel de ville. Il est mort parce que vous aviez décidé que vos problèmes étaient plus importants que la vie de tous ces gens. Jefferson Davis était un héros qui protégeait la ville de gens comme vous. Miles. Non. Je t'ai assez écouté. La disparition de mon père. C'était pas ça le problème. C'était moi la responsable. Mais c'est terminé. C'est pas s'échapper!
transmetteur négatif aurait été aperçu à proximité du Fist à Chinatown. Mais aucun signe de Miles. Tu crois que... Miles va bien. On est en train de le chercher. Trouvez Lee. Miles doit être là-bas aussi. Forcément. Je vais aller voir. S'il a touché ne serait-ce qu'un cheveu de Miles. Allô ? C'est le docteur Connors. Désolé, j'ai demandé votre numéro à Harry. Je vous le dis. S'il vous plaît, revenez au labo. On doit vous retirer le symbiote. Il a déjà une forte emprise sur votre esprit, et ça ne peut qu'empirer. Je suis occupé ! Personne ne m'écoute !